Éblouissant reflet, c'est une réflexion sur la peinture avant toute chose, sur un thème qui est central dans la peinture impressionniste et probablement au cœur des révolutions esthétiques du 19e siècle, une réflexion sur la lumière, l'eau et la couleur. Monet dit « La scène, je l'ai peint en toute saison, l'été, l'automne et l'hiver, les yeux brûlés par les reflets », d'où l'idée de ce mot d'éblouissant reflet, comme si le peintre effectivement perdait la vue environné de ces 1000 reflets scintillants. Il faut imaginer ces artistes qui se sont rapprochés de la surface de l'eau, qui ont peint de plus en plus près de l'eau et qui vraiment ont consacré tous leurs efforts, toutes leurs recherches à restituer cet effet très fugace du reflet qui fonde l'aventure impressionniste avec Impression Soleil Levant et qui la conclut avec les Nymphéas. Le parcours choisi pour l'exposition est thématique en 15 salles. C'est une progression globalement chronologique. On va démarrer avec Yonkint et les prémices de l'impressionnisme, et puis on va achever avec les derniers nymphéas de Claude Monet, et à travers des salles soit monographiques, soit thématiques, qui permettent de rythmer ce parcours et de découvrir derrière ces bateaux, ou ces scènes de rivage, ces scènes de port, ou ces scènes simplement de reflets, eh bien, un arrière-plan historique, sociologique, artistique, ou même scientifique, qui sous-tend l'aventure impressionniste. Un exemple, une salle consacrée aux ponts. Les ponts, c'est un thème magnifique pour un peintre qui s'intéresse à la question de la lumière et du reflet, bien entendu, mais c'est aussi, en 1873, quand Monet peint Argenteuil, le symbole de la France qui se reconstruit après la guerre de 70 et le signe de la révolution industrielle en marche. En parallèle de l'aventure impressionnisme, il y a une autre aventure qui se déroule, c'est celle de la photographie. Le photographe est placé devant un défi, celui de capter une réalité très changeante, très mouvante, à une époque où le temps de pause est encore très long. Et de la même façon que le peintre est mis au défi de peindre vite, le photographe va être conduit à réduire les temps de pause. Donc on a une démarche qui est tout à fait parallèle et je dirais même conceptuellement la même entre le peintre et le photographe. Donc ce que nous faisons, c'est une traversée de l'histoire de la photographie à travers des grands noms comme d'abord Louis Daguerre, mais aussi Baldus, Le Grec, le premier à réaliser ses marines sur la côte normande où la lumière est équilibrée entre le ciel et l'eau, des marines très radicales. Et ensuite, c'est Marville. Ce sont les pictorialistes, au moment où la photographie devient banale, qui eux vont retrouver des effets proches de la peinture. Et ce sont les grands noms de Steichen, par exemple, ou d'Emerson ou d'autres, jusqu'à une personnalité singulière qui est Eugène Adjaye, qui va, en 1910, faire des études de nymphéas qui viennent du Museum of Modern Art de New York, tout à fait semblables à celles que Monet réalise à la même époque à Giverny. L'exposition organise plusieurs confrontations de tableaux par paire ou par série. Des confrontations des tableaux de Sisley, des confrontations de tableaux de Monet, par exemple, deux ponts de Moret de Sisley, deux ponts de Charing Cross de Monet, deux ponts d'Argenteuil de Monet. Ce que l'on voit à travers ces comparaisons, c'est combien les artistes, lorsqu'ils se concentrent sur un motif, étudient précisément la variation de la lumière sur l'eau. C'est la chose la plus changeante qui soit dans le paysage et ces rapprochements entre deux tableaux nous montrent que dès qu'un coup de vent se produit, dès que la lumière change, avant tout ce sont les reflets qui sont modifiés. Donc on s'aperçoit que le véritable sujet finalement de l'artiste, c'est moins le paysage que simplement cette question du reflet. Et donc la leçon, c'est que le peintre expérimente beaucoup plus dans le lieu du reflet et que c'est le véritable sujet de Monet à Vétheuil. Claude Monet est très présent dans l'exposition, 41 toiles, c'est en soi un événement, c'est en soi une petite rétrospective Monet, et c'est en tout cas jamais vu en région en dehors de Paris. C'est bien entendu le chef de file de l'impressionnisme, celui qui peint le tableau qui va donner son nom au mouvement, Impression Soleil Levant, en 1872. Et c'est un tableau, comme vous le savez, qui n'est centré que sur le soleil et son reflet. Donc c'est une sorte de paradigme en fait de la peinture moderne qui va se développer à partir de la première exposition impressionniste en 1974. Et jusqu'à la fin de sa vie, avec les nymphéas, on voit qu'il se consacre à cette étude de l'eau, à cette étude de la lumière, jusqu'à petit à petit évacuer complètement le réel pour ne se consacrer qu'à l'eau et à son reflet, comme s'il se dissolvait lui-même dans l'étang nymphéa, comme s'il rejoignait cet univers de couleurs, de lumière, de fluidité qui est aussi d'une certaine façon celui de la peinture.